Bonsoir, bienvenue dans le Club Écho d'ObjectiveNews.tv. Semaine spéciale au Salon du Bourget où nous y sommes pour toute la semaine ici sur l'espace de l'Aerospace Valley. Nous recevons ce soir Karim Lohanchi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le général manager de Conesis. Conesis, je rappelle, c'est une filiale, en tous les cas, qui a été implantée ici en Midi-Pyrénées depuis 1997, filiale d'un groupe américain installé en Californie. Donc l'activité essentielle, c'est de la connectique, qui a été implantée en 1997 ici sur l'Europe, avec une équipe essentiellement dédiée à la distribution. Aujourd'hui, on a une activité qui est plutôt tournée maintenant sur la conception, la fabrication in situ à Colomiers. Donc on est arrivé à 45 personnes, dont plus de la moitié est dédiée à la production. Alors, Conesis, ce n'est pas son premier salon du Bourget. Hein ? Non. Toutefois, qu'est-ce que ça représente pour vous comme enjeu en termes de business pour une entreprise comme la vôtre ? Aujourd'hui, notre activité a à peu près tourné à 60% vers l'export. Il est évident que c'est un salon qui permet justement à un instant donné de rencontrer l'intégralité de nos agents qui sont un peu sur le monde, puisqu'on vend aussi bien la notion de Conesis Europe, ça va de Édimbourg à Johannesburg et de Lisbonne à New Delhi. Donc on reçoit à peu près tous nos clients, et sans que c'était une opportunité. Nos clients français également, nos donneurs d'ordre français et européens, et puis bien sûr le grand international. Donc c'est un facteur clé de notre dynamisme. On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes une filiale d'un groupe américain installé en Californie. Si on fait le bilan aujourd'hui de l'implantation en Europe et plus particulièrement sur le territoire de Midi-Pyrénées, puisque vous êtes implanté à Colomiers, si on devait faire un bilan justement vu des Américains, est-ce que cette implantation en Europe est une implantation réussie ? Ah, pour eux, c'est une implantation réussie, puisqu'ils ont dans le challenge de développer, on va doubler la superficie dans un horizon d'un an ou deux, et on va recruter à peu près une vingtaine de personnes. Donc pour eux, c'est un challenge réussi, puisqu'on est très proche d'Airbus, on est dans le pôle Aerospace Valley également, donc c'est un rayonnement qui, depuis 4-5 ans, depuis l'existence du pôle, permet justement à Conesis de se développer à l'international très fortement. Voilà. Aujourd'hui, 95% de l'activité de Conesis est sur l'aéronautique, hein, 5% est sur le ferroviaire. Sur l'aéronautique, aujourd'hui, vous êtes présent sur une grande partie des programmes ? Sur tous les programmes. Aujourd'hui, sur tous les programmes d'Airbus, tous les programmes européens, d'Eurocopter essentiellement. On travaille beaucoup avec Fokker également, en Hollande, qui a ses propres développements. Et on est en train de démarcher également la partie Europe de l'Est, et notamment la partie russe également. Et les Américains, bien sûr, travaillent avec Bombardier et Boeing également. Karim Lohanchi, quand vous ferez le bilan de cette 49e édition du Salon du Bourget pour votre entreprise et pour Conesis, comment jugerez-vous si c'est une bonne cuvée ou pas pour vous ? Pour moi, c'est d'avoir assuré les clients qui nous ont accompagnés depuis plusieurs années sur le développement futur, parce qu'aujourd'hui, il y a également un accroissement assez important de la dynamique de production. Donc, vous les rassurer dans ce domaine-là et essayer de glaner d'autres clients, et notamment les marchés de l'Est, d'Europe de l'Est et Nordique. Là, on est en train de discuter avec des Suédois, dont je dirais le nom, mais vous avez deviné qui, et qui permettrait également de développer également l'activité. Donc, peut-être des annonces et des contrats futurs. Peut-être, absolument. Merci Karim Lohanchi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était avec plaisir.